Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une petite vidéo sur The Final Series. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai refait le prêt à fond. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me faire chier avec le fait qu'il reste 15 jours, que je vais mettre un gros frein sur farming, moi, pour les derniers 15 jours qui restent, histoire d'être chaud. Pour celui qui suivra, donc, du coup, allez, vas-y, de près, bas les couilles, et il nous faut du terrain pour avancer un petit peu, et comme j'ai dit, je vais mettre un gros coup de frein, moi, de mon côté, donc, du coup, hop, on va s'acheter du parcellaire un petit peu, voyez, et c'est quoi, ça vaut plus le coup de se prendre la tête à absolument faire un remboursement de prêt à 100%. Enfin, je pense que je vais y arriver parce que j'avais déjà remboursé 170 000, je crois, sur 500 000, donc c'est déjà pas mal. Mais si j'avais bourré, je pense, pendant les 15 derniers jours, ouais, il y avait moyen que je rembourse le prêt et qu'on avance très rapidement. Mais là, je vois que pour le coup, je vais mettre un coup de frein. Donc il y a de fortes chances que j'ai pas fini de rembourser le prêt d'ici à ce qu'on quitte FS19. Donc du coup, allez, vas-y, je me suis dit, j'en ai parlé avec Maké et c'est parti mon kiki, on bouffe les sous et on achète du parcellaire histoire d'avancer un petit peu. Du coup, ça nous fera deux terrains en plus qui sont juste à côté de la ferme. Alors oui, fait exprès bien sûr. Et je me tâte même à dégager les terrains qui sont loin pour rattroupir un petit peu par ici autour, histoire de moins faire de route, parce que c'est vrai que là, pour le coup, je vous le dis, si on avait continué tranquillement et que dans FS22 c'était dans un mois et demi, bon, passe encore. Mais là, c'est vrai que voilà, outre le fait que ce soit dans 15 jours et que je suis un peu le seul à bourriner, du coup, parce que Maké, lui, il s'en cache pas, hein, il a pas envie d'y jouer, enfin, pas plus que ça. Voilà, il vient pendant les lives et puis c'est fini. Et Chris, il vient quand il peut, du coup, je suis un peu le seul à le bourriner. Et là, moi, je vais y aller mollo, Kaira. Je vais profiter des 15 jours qui restent à mois prochain pour lever le pied. Pardon, je vois comme il me veut. Pour lever le pied et puis jouer un peu à d'autres jeux. Histoire de... Alors, bien sûr, j'en ferai encore en vidéo et en live. Hein. Mais de mon côté... je vais torcher un peu Age of Empire 4. Parce que j'avais dit que je voulais y jouer et vu comme c'est parti, je vais pas y jouer. Donc du coup, je vais mettre mon coup de frein de mon côté et revenir chaud pour le prochain farming. Alors pour ceux qui seraient spoil, qui connaissent pas la chaîne ou d'autres qui ça fait un moment qu'ils sont pas venus et qui arrivent maintenant, ne me spoilez pas ce qu'il y aura dans le prochain. Parce que moi, je demande qu'une chose, c'est qu'à être surpris. Et du coup, mis à part au tout début où j'ai su les nouvelles cultures et le reste, après j'ai stoppé et du coup, je ne peux être que surpris. Et je sais que Chris, a regardé de son côté et il m'a dit normalement, d'après ce que j'ai vu, tu devrais pas être déçu. Donc voilà. Ça me va, j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai suffisamment d'informations, j'ai réussi à m'éviter les spoils, à m'éviter les infos que d'autres sur YouTube mettent, les notifications, etc. Donc voilà, j'ai fait au max, pour plus que le maximum, pour éviter de tout savoir du prochain. Donc là, c'est pas le moment de flancher à 15 jours du bout. Donc voilà, moi je demande qu'être surpris, j'ai hâte en tout cas. C'est vrai que pour celui-ci, avant qu'il arrive, c'est le 19 avant qu'il arrive, j'ai pas eu le choix, j'ai tombé dessus sans faire exprès et j'ai su quasiment tout ce qu'il y avait. Et en effet, quand je suis arrivé dessus, j'ai pas eu de surprise du tout. Et voilà, donc ça m'a pas émoustillé, dit quoi que ce soit, ça m'a même un peu fait chier. Et j'étais pas pressé de le voir arriver. Tandis que là, pour le coup, je suis assez pressé de voir arriver le prochain. J'ai pas envie de me gâcher ma surprise. Bref. Pour du coup cette semaine. Alors attendez, je vais baisser un peu le son de la machine parce qu'elle m'arrache la gueule.
Cette semaine, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce que j'ai dit la semaine dernière, il y a live ce soir sur Snow et il y a live demain soir sur Jurassic World Evolution 2 si je l'ai en ma possession à ce moment-là, parce que je l'ai pris sur Instant Gaming à la place de le prendre ailleurs, et donc du coup il y a des fois Instant Gaming ils le reçoivent un jour en retard, donc on sait jamais. Voilà, je mets des guillemets. Donc du coup aujourd'hui Farming, ce soir Snow, demain si j'ai le jeu assez tôt, il y a du Jurassic World dans la journée et du Jurassic World le soir. Sinon, s'il n'y a pas de Jurassic World dans la journée, il y aura du Prison Simulator. Je réfléchis. Mercredi, bah, ce sera l'inverse du coup, si j'ai pas le jeu. Donc ce sera Jurassic World Evolution 2 ou Prison Simulator, voilà. Je serai off mercredi soir, et jeudi je verrai, je ferai tourner, je vais peut-être faire du farming, possible, ou si vraiment Jurassic World Evolution 2 est exceptionnel, j'en referai. Jeudi soir, il y a live sur GTA Vice City remasterisé, qui sort jeudi normalement. Le jeu est déjà préchargeable, je crois, je l'ai pas fait, faut que je mastique l'oignon. Et du coup, j'ai super hâte de retrouver mon GTA préféré. Et du coup, de redécouvrir ça un petit peu avec vous, si ça plaît, et avec les gens habituels des lives aiment bien, on en refera, pas de soucis. Si ça plaît pas, is not a problem, moi je le poncerai de mon côté hors ligne. Et puis restez de semaine, bah du coup vendredi on fait live, samedi je reste en off, j'hésitais en fait jusqu'à présent à me dire allez tu fais un live de plus et tout, puis en fin de compte en y réfléchissant, il se trouve que la semaine prochaine, comme on a estimé avec les gens du live environ, et j'ai oublié de demander un zéro comme un connard, j'aurais pu demander mais j'ai zappé, enfin j'ai pas zappé mais j'ai pas pensé sur le coup. On a estimé que j'aurais à peu près le jeu 3 jours en avance, donc ce qui nous donnerait vendredi. Et donc ce qui fait qu'on poncerait farming tout le week-end. Quoi. Donc du coup je me dis allez vas-y, fais pas de 5ème live samedi et il y en aura un ou deux de plus la semaine prochaine, donc ça changera pas grand chose. Donc voilà. Mais live c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi cette semaine. Et puis voilà. Et puis voilà. Ou alors. Samedi, il faut vraiment que une nouvelle fois Jurassic World Evolution 2 soit exceptionnel pour que je relance un live samedi, mais ça m'étonnerait. Donc un petit peu pour cette semaine, et puis voilà, en termes de vidéos, ça peut changer. Il y a des jeux que j'ai mis de côté, là on en a plus 3 pour l'instant, on en récupère 2 cette semaine. Et la semaine suivante, si je dis pas d'annerie, parce que je suis en train de réfléchir, s'il n'y a pas une sortie d'ici là, ou alors d'ici à ce qu'on m'offre encore une clé, voilà. Ou une vidéo isolée, il y a Airport Renovator, qui a eu 2 matchs de, je sais plus combien, 6 gigas, je crois, il y a eu un tout dessus, donc je peux peut-être aller faire un tour dessus, voilà, il peut peut-être y avoir une vidéo isolée sur un ancien jeu, ou tout dépend de mon envie, voilà. Mais je peux pas prévoir en avance pour toute la semaine. Ce que je sais, c'est que voilà, moi là je la tourne en avance, hein, je la tourne samedi soir après le live, après avoir regardé encore mes alertes de follow, de sub, de donation, je comprends pas le problème, c'est un truc de ouf. J'ai recréé un compte vite fait, un compte avec une adresse mail pour faire des tests. Alors malheureusement, je peux pas follow, unfollow comme je veux parce qu'autrement, j'ai pas la notif. J'ai créé un compte vite fait, j'ai follow ma chaîne avec ce compte là et j'ai même pas, alors c'est même pas une question d'alerte, c'est que j'ai même pas la notification de follow même sur mon YouTube, donc du coup je me dis allez vas-y, je sais, c'est bien, on verra bien. J'ai remodifié des trucs, à voir ce que ça donnera, on verra cette semaine s'il y a un follow pendant que je suis en live ou en vidéo peut-être, et on verra si ça fonctionnera, mais je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe et à force je désespère et ça me gave. Parce que j'ai rien touché, tout est réactivé comme avant et rien ne fonctionne. Alors, rien ne fonctionne quand je suis en live. Et quand c'est les gens qui s'abonnent ou qu'il y a des donations ou peu importe. Mais par contre, quand moi je fais les tests, ça fonctionne.
Ah, des fois, je cherche pas à comprendre, c'est comme ça, mais je voudrais bien que ça fonctionne pour FS22, quoi. Je voudrais bien, donc dans ce cas-là, je reprendrai tout à zéro s'il le faut, et je me démerderai, parce que ça me tape sur le système. Je referai, je sais même pas si c'est faisable de refaire valeur par défaut sur Streamlabs, mais j'essaierai, je remettrai tout à zéro, tout lui machin, et je referai tout. En sachant que j'en ai déjà tellement rajouté depuis que je stream, eh bien, il y en a long à refaire, hein. Je pense que j'en ai au moins pour 2 jours, facile. Donc, si ça fonctionne pas fin de semaine prochaine, la semaine d'après, je m'en occupe, je recommence depuis le début, puis on verra. On verra, on verra. Bref, mais bon, c'est les joies du truc. T'as jamais un truc qui se passe correctement sans qu'il y ait un problème. S'il y avait un truc que j'ai remarqué, pour ceux qui se lanceraient d'ailleurs, et qui viendraient faire ce bordel-là, sachez que il n'y a jamais rien qui va comme sur des roulettes. Jamais. Il suffit que tu arrives à tout régler comme il faut. Il y a une mise à jour Windows, par exemple, qui te fait tout planter ton son. Comme ça, tu as le plaisir de recommencer tes réglages, même en les notant. Tu refais exactement les mêmes. Alors, ça me l'a fait le dernier coup. Et une mise à jour Windows, j'ai refait exactement les mêmes réglages de son que j'avais auparavant, ça n'allait pas. Alors, je vous explique pas ce bordel. Donc, quand c'est pas ça, c'est l'image. Quand c'est pas ça, c'est OBS qui fait une image. Quand c'est pas ça, ben là, c'est Streamlabs. Et ainsi de suite, et il n'y a jamais de fin. Et on peut pas juste game et faire des vidéos tranquilles. Des vidéos, des lives, jouer tranquille, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc ouais, c'est complicado ça. C'est complicado et ça. C'est lourdingue à force. Hein. C'est lourdingue, c'est lourdingue. Et ça vient. Ça me mine le moral, quoi. Samedi, quand j'ai coupé le live, Juju, elle m'a dit je te sens dégoûté. Ah ouais, j'ai dit j'en ai ras le bol. Enfin, samedi, du coup, quand je vous tourne la vidéo là, samedi après le live, quand j'ai coupé, elle m'a dit je te sens dépité, j'en peux plus, ça m'a j'en ai marre. J'en ai marre, ça me saoule. En plus, j'ai toujours mal à cette épaule de merde. Je peux pas être au four au moulin, comme dit Juju. Parce qu'elle, d'un un coup, elle me balance ça. Et elle s'est trompée entre le L du moulin et le N. Donc, du coup, elle me fait, je peux pas être au four au moulin. Et du coup, depuis, je la charrie un peu avec ça. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est lourdingue, quoi. C'est lourdingue, c'est lourdingue. Putain, mais il est gros, ce champ, là. Il est gros. Il est bien dodu le con. Et du coup, voilà, ça nous fera 2 champs de plus. Pour les autres terrains, j'essaierai de rapprocher un peu le parcellaire si je peux. Histoire de coller ça par là autour. Suivant les cultures qu'il y aura. Et puis les vaches. Les vaches, je sais plus où j'en suis. J'étais à 32, je crois, quand j'ai regardé la dernière fois. Je crois que j'ai presque une cuve de lait à emmener. Donc faut ouvrir, faut ouvrir, faut ouvrir. En termes d'herbe et de foin, je suis, mais limite, limite. Hein. Faut vraiment pas oublier la récolte le jour même parce qu'après t'es baisé, quoi. Et encore, heureusement qu'elle bouffe pas trop. On en a combien? Alors attendez, je vais essayer de me mettre en ligne droite. On en est à 32 vaches, il reste 8h45 avant la prochaine. Et ouais, je pense que j'ai une cuve de lait à emmener à environ 800, non? 740, 788. 8000 litres. Ça fait pas un gros billet, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Après, voilà, on aurait pu mettre en facile ou en normal. Je pense que peut-être que j'aurais dû mettre en normal, mais moi, ça me tentait bien de remettre en hard un petit coup, et puis de toute façon, on aura fait. J'en sais rien, je sais même pas combien d'épisodes on est. Je pense que d'ici à la fin, on sera à 20 épisodes. Donc c'est pas mal, ça fait une petite série tranquillou avec du petit matériel, et puis voilà quoi. Surtout que j'aurais collé des heures. La machine, elle a 33 heures. Lui, il est arrivé un moment où j'ai poncé comme un gros porc le week-end du Eleven, j'ai fait que ça. Enfin, quand j'étais là. Mais j'ai fait que du farming et oui, un gros cochon quoi. Vraiment bourriner le jeu. Bourriner le jeu comme j'avais pas bourriné depuis un certain temps d'ailleurs.
Et du coup, d'ici la fin, on fera un petit bilan global quand même de ce FS19. Même si, on va dire, à bon nombre de reprises, je l'ai détesté. Il y a quand même des trucs qui ont été bien dessus, mais on y reviendra gentiment pour la fin. Et pareil, il faut que je vois mon contact Nitrado pour basculer mon serveur FS19 sur FS22. Et ça, oh là, je vais avoir des trucs à gérer, hein. Bordel à cul, j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. Ça me, disons que c'est le temps de m'y mettre. Une fois que je suis dedans, ça va, mais alors pas mal de choses à faire d'ici là. Ça va faire pas mal de trucs. Bah, Dieu, il y en a un peu de rendement, dis donc. Il y avait de l'engrais là-dedans. On va faire labourer. Labourer avec la 3 fer réversible. Merde, erreur. Mais putain. Il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout, mais il n'y a pas besoin de labour. Donc, ce qui fait que ça améliorait un peu le rendement. Bon, c'est pas foufou, mais. Mais c'est toujours ça. Je vais pas m'en plaindre. C'est vrai qu'il y a quand même un terrain, on va dire, de taille moyenne. Donc il y a déjà quelques tours à faire. J'en suis qu'au quatrième tour, là. Ouais, il y a déjà un terrain de taille moyenne. Donc ça explique un peu le fait que j'ai l'impression qu'il y a du rendement. Alors que pas plus que ça, puisque la trémie fait que 3000 litres. Et je vide à 57%. Donc je vide à 1600 litres, 1700 litres. Et finalement, la bison, je m'en serais pas servi beaucoup sur ce FS19. Mais là, pour le coup, sur cette série-là, je l'ai. Elle en a bouffé, hein, du grain. Hein. Elle en a bouffé. Alors, laisse-moi reculer comme je veux. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner juste là, je vais refaire un aller-retour là, après je repartirai de l'autre côté pour vider. Elle est toujours vide par contre, j'ai bientôt plus de gasoil dedans, infernal, elle boit comme un trou, incroyable, c'est un sac sans cul ce machin, c'est terrible, et vendredi, vendredi, donc il y aura un live farming et il y aura ce que je vous ai dit la dernière fois. Voilà, j'en parle pas en vidéo, hein, comme ça vous savez, pour les habitués du live, vous êtes déjà au courant. J'en ai parlé vendredi dernier de ce qu'il y a là-haut. Et j'ai regardé dans la fameuse cagnotte et il y en aura bien deux à la place d'un. Voilà, j'en dis pas plus, vous avez compris. Et roule ma poule. Roule. Et pour revenir sur Prison Simulator, vite fait, je suis dessus, je suis déconnecté de tout le reste, quoi. Ça fait deux vidéos de suite qu'on tourne, deux vidéos, j'arrive à 45 minutes, je relève à peine les yeux, je me dis, oh d'accord, 45 minutes de vidéo. Et heureusement, je relève les yeux parce que sinon, je m'en aperçois pas. Après 45 minutes, ça fait déjà long. Non, pas sur un jeu qui te passionne, mais. C'est vrai que 45 minutes, ça fait beaucoup. Quand je vois Galax qui tourne des vidéos d'une heure et demie, qui tourne des films. Et n'empêche, c'est un format qui me correspondrait plutôt bien. Dans le sens où je fais très peu de montage. Enfin, à part quand je suis décidé, quand je faisais les best-of et tout. Mais sinon, je fais très peu de montage et c'est un format qui me convient plutôt bien. Mais ça fait format live en fait. Et c'est le format que j'accroche. J'accroche bien, donc. Mais c'est vrai que ça fait long. Hein. Ça fait long. Une heure et demie encore sur Prison Simulator. Je suis pas sûr que je verrai le temps passer quand même. Mais sur d'autres jeux comme celui-ci. Je dis ça, mais peut-être sur le prochain, je serai gnaqué dedans. Et puis voilà, je suis à combien dans la benne là. Je suis à 73%. Je peux encore faire au moins une fois. Je vais faire une benne et demie, je pense. Et le blé. C'est du blé, hein. Le blé, il se vend à combien, là? Il se vend rien du tout, le blé, de toute façon. 335, ça va encore. J'ai déjà vu pire que ça.
On va faire quoi? On va faire une benne et peut-être 3000 litres à côté, et encore, je suis gentil. Ça nous fera 4000 têtes. À peu près possible. Enfin, ça fera toujours ça. Le prochain farming, première série, on n'attaque pas en hard, hein, je vous le dis. Tant qu'on n'a pas vu le truc, parce que c'est vrai que si le jeu est pas fifou, attaquer une série en hard, sachant qu'on va pas le poncer comme des gros bœufs, voilà quoi. On le mettra, je pense, en normal, et d'autant plus qu'apparemment il y a des maps qui sont déjà quasi prêtes pour le prochain farming. Les modes pourraient arriver assez rapidement, donc autant. Voilà, en sachant que les maps d'origine, c'est bien gentil, même si elles sont bien faites. La première map potable carré, je me tire dessus. Il y a de fortes chances, donc. Donc on attaquera, je pense, en normal, voire même en facile, on verra. Comme je suis décidé, j'en parlerai avec Chris et Mackey. Et puis, pour Roustine, bah Roustine normalement reviendra quand elle peut. Ah, parce que ça dépend de notre petite chippy. Comme elle est décidée. C'est vrai que là, samedi pendant le live, elle a eu du mal de dormir. Et là, on va passer une nuit un peu agitée. Donc ça dépend de mademoiselle comment elle sera tournée. Après, farming, c'est un jeu où tu lâches le truc, t'as FK et puis tu peux revenir. Mais si Juju doit commencer à faire 15 000 voyages, c'est pas foufou pour elle non plus, quoi. Mais normalement, ça sonnera le retour de Maroustinou. Malheureusement, pas celui de Papy. Pour ces raisons, il a fait une overdose de farming avant, sauf que lui ne s'en est jamais remis. Et contrairement à moi, Papy s'est spoil des trucs qui arriveraient sur le prochain et ça ne le tente pas plus que ça. Et donc, il est plus reparti sur du MMORPG genre Warcraft New World. Et du coup, ouais, le style de farming, c'est plus trop de son actu, malheureusement. Mais ouais, on verra bien. Alors je pense que je peux refaire un aller-retour sans problémo. Ah, je devrais pas pouvoir tout caser normalement, ça m'étonnerait. Et on a moissonné et elle m'a bouffé presque deux traits, je crois. Hein. La salope, comme dit Mackey, elle suce. Hein. C'est terrible. Et du coup, c'est vrai que depuis, j'en ai pas parlé, mais j'ai racheté une auto-chargeuse. Même si t'en mets moins que dans une. Enfin. Même si t'en mets moins que si tu pressais et que tu ramassais avec l'autoload, je trouve le format un peu plus sympathique. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que j'en ai une plus grosse, mais là, c'est une en mode que je vais vous montrer juste après. C'est la Prone, je crois, je sais même plus. Une toute petite qui fait 13 000 litres. Du coup, c'est vrai que c'est free. C'est vrai que tu fais plus de voyages, mais il n'y a pas d'arrêt, quoi. T'arrives, t'emplis, tu pars. Et oui, j'avais envie de faire un peu d'auto-chargeuse. Et du coup, je trouve quand même le format bien pratique. En sachant que le premier point de vente n'est pas si loin, le deuxième est quand même un peu plus espacé. Ça dépend comme j'ai envie, quoi. Ça dépend du rendement surtout. Je peux stopper, je pense. Hop, recule pour pas faire de la merde. Du coup, je vais vous montrer vite fait l'auto-chargeuse. Hop. Alors, où c'est que c'est? C'est là. J'ai acheté celle-là. Non, c'est la SIP. Je crois que c'était Chrome, mais pas du tout. C'est celle-là, je l'ai acheté en bois, si je dis pas d'annerie. Je l'ai acheté en bois, il me semble. Si je dis pas de conneries, hein, je suis pas sûr. Ok, bon, c'est plein. Je vais essayer de charger le restant. Oula, tiens, bon, Maurice. Et on ira vendre tout ça.
Ça serait déjà cette fille. Du coup, entre le grain et la paille, je dirais quoi? Je dirais que ça va faire 7 ou 8 000 balles. J'ai encore l'autre terrain là-bas, je sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième? Le 25. C'est du blé aussi dans le 25 là? Pas du tout, c'est de la one. C'est de la one, ok. Là c'était pour voir si toutefois je poursuivais la moisson ou s'il fallait que je stoppire. Mais je vais être obligé de stoppir. Ok, donc on va faire, je ne sais plus combien on met dans la veine. 12 000 je crois. Et du coup on va faire 12, 14, un peu plus de 14 000 litres. 12 000 ou 9 000? Oh, je ne sais plus, c'est incroyable ça, je ne sais plus ce que je prends là avec mon matériel. On va dépasser 2 000 dans la machine normalement. Et dans la peine, je ne sais plus ce qu'il y a. Je ne sais plus ce qu'il y a. Ok, ben voilà. Il faut quand même du temps pour moissonner ça avec cette machine-là. On a 26 minutes de vidéo. Ça fait quoi? Ça fait 23 minutes que je suis dedans, je dirais. Ok, il y a combien dans la benouille? Il y a 12 000 litres, voilà, c'est ça. Ok, bon, on va les vendre. Raffaizen, c'est juste à côté. C'est juste à côté. On prend la grande route là. Et c'est bon tout. Et c'est juste à côté, impeccable. Et du coup, on va pouvoir vendre ça gentiment. Ça fera un peu plus de sous. 85 000, je pense que je peux racheter un terrain par-ci par-là. Celui devant la ferme, il me semble bien cool. Il faudrait que je puisse regarder le prix qu'il vaut. Ok, vide. Du coup, celui dans la ferme, il est là. Ça fait 72 000 boules. Je pourrais l'acheter, je vais attendre qu'il soit mûr avant. Je pourrais l'acheter. Et là, ça nous fera... j'ai pas regardé de combien on a démarré, je m'en rappelle plus. Ça nous fait 4000 boules. 4000 boules, puisqu'on va vendre la paille. Ouais, on va arriver à 7 ou 8000, je pense. Tout dépend du prix de la paille. Ce sera toujours ça en plus. Et par contre, agréablement surpris du rendement du trèfle. Hein. Parce que putain, mon dieu, il y en avait. Hein. Il y en avait. Je pensais pas qu'il y aurait un rendement de ouf comme ça. Ça valait le coup. Alors, ma petite machine, où c'est que t'étais là au milieu? Et du coup, celui-là arrive à 40 heures, presque 41 heures. Ce tracteur-là, je l'ai bouffé. Hein, mais j'aime bien ce tracteur. Malheureusement, pour le bruit, c'est pas le bruit du tracteur IRL. C'est mon plus gros regret. Parce que le bruit du tracteur IRL est beaucoup plus joli. Il est moins joli que le mien IRL. En fait, le bruit du 6640 et du 7740, c'est pas le même. On va chercher à comprendre pourquoi. C'est la même série. C'est pas le même bruit. Mais le bruit du 7740 est déjà pas vilain. Celui du 6640, il est terrible. Il est terrible. Mais il fait pas du tout ce bruit là, IRL. Et malheureusement, en termes de son sur les tracteurs qu'on a eu sur le 19, c'est pas foufou. Hein. Je parle pas forcément des modeurs, hein, parce que celui des tracteurs d'origine, il est pas terrible. Et du coup, j'espère que sur l'autre, ce sera mieux, quoi. Non. Parce que sur le 17, ils avaient bien démarré, hein, 14,55, je me rappelle, il était pas vilain, le bruit. C'était pas exactement... Enfin, c'était pas celui qu'on a iré sur un 14,55, parce que celui qu'on a iré, il hurle. Mais il y avait déjà un bruit qui n'était pas vilain et je sais pas pourquoi ils ont merdé comme ça sur les tracteurs d'origine du 19. Mais bon, maintenant la question ne se pose plus, on arrive au bout. Alors toi tu me fais chier, je vais passer par la ferme.
J'ai failli repayer le. Rester dans le muret, caillou muret. Ok, ouais, on achètera celui-là après. Le problème, c'est en rentrant à la ferme, faudra pas bifurquer et rentrer dans le champ, quoi. Sans faire exprès. C'est trop mal, va nous arriver malheur. Ok. Je vais laisser ça là. Je vais ramener la machine ici. Ça sera fait. À combien qu'on est? 30 minutes? Putain, allez, ça passe vite même sur farming. J'ai pas le temps passé. Et du coup, ben ouais. On va stopper là pour aujourd'hui, messieurs dames. Il y aura certainement une deuxième vidéo, comme j'ai dit, cette semaine de farming. Plus le live de vendredi. Et puis voilà. Je vais y jouer un petit peu. À moi un petit peu, mais comme j'ai dit, je mets un gros coup de frein dessus. Histoire de que ça fasse une pause quand même, parce que je vous dis, ces 15 derniers jours, je sais pas combien j'ai mis dans la gueule, mais j'en ai mis. Hein. J'en ai mis, et repenser comme je faisais avant, je pensais pas que ça pourrait me arriver sur celui-ci, mais ça a été le cas du fait que j'avais toujours un live sur le côté comme ça, et puis voilà. Du coup, tu fais tranquillement, puis finalement, tu vas pas trop le temps passer. Et puis voilà. Celui-là de Tagazu, je suis désolé, hein, je baille comme une vache. Celui-là de Tagazu, il arrive à 28h. Ah, c'est vrai que si Chris avait plus joué sur la partie, je pense que c'est celui-là qui aurait eu le plus d'heures, parce que Chris, son petit Fendt, là, celui-là, il le turbo-kiffe. Et du coup, je pense que c'est celui-là qui aurait eu la palme. Alors, celle-ci de ta chargeuse, on peut le déplier, replier. Hein. On passe, en fait, quand on est comme ça, on a 13 000 litres. On passe de 13, on a 10 000 litres, my bad. Et quand on l'a déplié, on passe à 13 000. Et du coup, voilà. Normalement, on a 2 points de vente de paille, si je dis pas d'ânerie. Si je ne dis pas d'ânerie, on doit avoir 2 points de vente de paille. Et le premier, c'est où on en chie pour décharger les bottes là. Oh, il a 24 quoi. Puis l'autre a 38, puis c'est celui qui est le plus loin. Oh, ça va pas rapporter tant que ça en fin de compte. Ça va pas rapporter tant que ça. Je crois que ça m'est arrivé il y a pas longtemps d'en vendre à 44 et il montait encore. Et là, ben, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Or. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avant d'être plein? On arrive à faire un tour peut-être? Je suis même pas sûr. Hein. Là on a fait une allée, je suis à 38%. Putain, on va pas faire un tour avant que ce soit plein. Oh putain. Ah, c'est histoire du premier tour hein, qui est le plus long de toute façon. Mais ouais, on va pas faire un tour avant d'être blindé. Ah, peut-être que. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors je vous explique pas avec de l'engrais le bordel que ça serait. On serait déjà plein. Hein. Largement. Largement. Ah si, on va faire un tour. Ah, il me reste le travers. Il me reste le travers. Ah, on devrait faire un tour et une crotte du deuxième tour et c'est fini. Et c'est vrai qu'avec avec de l'engrais, je pense que tu fais quoi? Tu fais un tour. Ouais, tu fais un tour. Tu fais les trois quarts d'un tour peut-être. Et encore, je suis gentil. Je dirais plutôt la moitié d'un tour peut-être. Et du coup, voilà. Là, on a fait un tour et on a fait une petite crotte du deuxième tour. Donc 13 000 litres et on l'emmène loin en plus. On l'emmène loin, on l'emmène loin. Et bref, bah du coup, on va stopper là pour aujourd'hui, messieurs, dames. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la semaine pour la suite sur cette marque-là. Et sinon, on se retrouve ce soir pour le live de Snow. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes dans la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.